Les eaux des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, allant de la Mauritanie au Ghana, sont connues comme les zones de pêche les plus productives au monde. Cependant, cette partie fait face à de nombreux défis, dont la surexploitation des ressources, la nécessité d'une bonne gouvernance et l'ampleur grandissante de la pêche illicite. Pour aider à lutter contre ce phénomène et améliorer la gestion durable des pêcheries dans les eaux maritimes, la CRSP, la Commission sous-régionale des pêches, et la Banque mondiale ont initié en 2007 le PRAO, le Programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest. À travers sa mise en œuvre, les États membres de la CSRP ambitionnent d'augmenter la richesse globale générée par l'exploitation durable des ressources halieutiques marines. 6 ans après sa mise en œuvre, les résultats ont été jugés positifs. Pour la première phase, je pense que nous avons eu des résultats assez significatifs au niveau des États avec la mise en place de structures de co-gestion, avec la mise en place de brigades de surveillance le long des côtes, avec la mise en place de nouvelles réglementations. Un nouveau code des pêches a été élaboré dans beaucoup d'États. Il y a eu un renforcement des capacités des acteurs dans plusieurs domaines avec parfois un accompagnement financier. Et je pense que la deuxième phase sera assez prometteuse. Par rapport à nos 7 pays, la situation est plus ou moins identique. On l'a dit, le secteur de la pêche traverse une crise qui est due à la surexploitation des ressources, à la pêche non déclarée, non réglementée. Et avec l'appui du PRAO, nous avons plus ou moins pu juguler.